Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Le Premier ministre était ce lundi 27 mai 2024 devant le Conseil national de la transition pour la présentation des politiques générales du gouvernement. À cette occasion, Bahouri est revenu sur la question relative au retour à l'ordre constitutionnel. Le chef du gouvernement a annoncé la mise à jour du chronogramme de la transition. Selon lui, cela se fera dans un processus inclusif et transparent qui vise à impliquer l'ensemble des acteurs concernés. Le gouvernement est engagé pour une transition réussie. Il est donc primordial de rappeler les orientations politiques qui guident notre action. Ces orientations sont structurées autour d'un chronogramme dynamique défini en collaboration avec la CEDEAO. Nous avons rencontré des défis considérables, tant internes qu'externes, qui ont exigé de nous adoption et résilience. Malgré ces obstacles, nous avons réussi à finaliser la mise en place des délégations spéciales à travers tout le pays, ce qui marque une étape cruciale dans notre processus de stabilisation et de préparation au retour à l'ordre constitutionnel. En reconnaissance, les retards et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du chronogramme actuel de la transition, le gouvernement poursuit des discussions transparentes et inclusives avec tous les partenaires concernés. L'objectif est de mettre à jour ce chronogramme de manière juste et équitable et en veillant à associer toutes les parties prenantes dans ce processus vital, a annoncé le Premier ministre. Les ajustements nécessaires seront faits de manière à refléter les réalités actuelles et à répondre efficacement aux besoins de notre nation en transition, poursuit Bahouri. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez sur la trouve intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.